Ah bon, bah voilà. On est du retour. Et donc Attendez. Hop. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Ah oui. Oui bah voilà. Donc on reprend. Allez hop. On reprend, donc bah, on n'a pas le choix, on va aller se taper le dragon. Ah mais on le voit de loin en plus, putain, je le voyais même, j'ai même pas fait gaffe. Mais c'est marrant ça. J'étais persuadé que c'était lui qui s'était réveillé. En fait pas du tout. Il est vraiment décédé ce dragon. Ah mais ça rajoute encore plus tellement de fantaisie quoi. Ah mais oui du coup ils ont tous repop là les. C'est quand même cheaté ça, enfin c'est cheaté. Ouais. Je sais pas, enfin c'est. Ah ouais en fait c'est ça hein. Dès que un ennemi nous aggro, eux ils ont peur. Hein. Je sais pas, ouais je pense qu'ils ont dû faire exprès hein, From Software pour le fait que voilà, que dès qu'on on sauvegarde les ennemis repop mais je trouve ça tellement bizarre. Faut vraiment que j'améliore mon endurance quand même. Autant à la mana, je m'en fous pour le moment. Même si, genre, ça. Voilà. Il est même pas mort en plus. Hein. Oh putain! Il a une patate lui. Ouais, ce que je disais. Quand tu y tues par derrière, t'as 6 âmes en plus. 36 au lieu de 30. Du coup, on repose jamais. Hein. C'est pas tellement sympa, mais. Voilà. Et c'est marrant hein, pourtant ils ont des couteaux. Merde. Bon. Voilà. Un autre là. Après il y en a d'autres en haut mais c'est le mec là qui jette ses boules de feu là, il me saoule un peu. J'ai pas trop envie de me prendre la tête. Bon. Ils ont repop alors eux. C'est bizarre. Je suis pas fan de ça. Oh putain, il m'a niqué aussi. Mais du coup, lui, pourquoi il meurt pas? Ah si. Merde. Ah mais oui parce qu'ils ont tous repopé et du coup. Ah mais le dragon en fait il me voit de là du coup. Et c'est ouf. Il faut le fighter le dragon alors hein. Il peut pas glisser les échelles là. Bon alors du coup je sais pas trop comment on va faire. Ah oui puis il y a eux, oh là. Merde. Est-ce qu'il peut se. Allez vas-y. C'est bon. Comment ça se fait que j'ai récupéré. Mais c'est bizarre, je récupère des fioles d'estus alors que je sais même pas comment je fais là. Bon à mon avis là il va falloir passer ou. Attends. Il va cracher là. Ah salut Nico, comment ça va? Bon là de toute façon c'est clair qu'on peut pas, on peut pas. Ouais, on peut pas y aller parce que là. Et non. Putain ce combat tellement passionnant. Le mec bonjour je rentre chez vous. Allez vas-y.
c'est bon. Comment ça se fait que j'ai récupéré... Mais c'est bizarre, je récupère des fioles d'estus alors que je sais même pas comment je fais là. Bon, à mon avis, là, il va falloir passer ou... Attends, il va cracher là. Ah, salut Nico, comment ça va? Bon, là, de toute façon, c'est clair qu'on peut pas... On pue pas. Ouais, on peut pas y aller parce que là... la gueule et puis voilà, je pense que voilà, fait que passer, je veux pas me spoiler. Ah bah oui, t'as bien fait. Oui, fais bien, tu fais bien parce que le jeu quand même est assez magnifique. Enfin, c'est magnifique. Oui, si, direction artistique est assez belle. Et du coup, ouais, pour que tu fais quoi, par contre. Ah, on va courir. Oui, on va courir, on va courir. J'espère qu'il y a pas de qui. Putain. Dragon en plus, il est assez assez flippant. Ok. Après, juste là quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Quelqu'un qui est passé, mais oui, c'est que ça. Ah, c'est un chevalier là. Oh, oh, j'espère que c'est pas comme l'autre avec son katana là. Oh là là, et... ah merde, c'est le zombie. Et ah, attends. Attends, oh putain merde, non attends, 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 non, 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 la bois. Non, reprends ton épée. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Putain, j'arrive pas à sélectionner ce que je veux. Voilà, ça. Il va me tuer. Il va me tuer, j'ai utilisé mon truc. Ah oui. Mais moi j'ai jamais joué, hein. Enfin j'ai jamais joué. Les Demon Souls, c'est sûr que j'ai jamais joué. Demon Souls, hein. Dark Souls 1, je l'ai commencé, sauf que j'ai arrêté au bout de 3 heures parce que j'ai tué un PNJ. Enfin j'ai tué. J'ai frappé un PNJ sans le faire exprès. Et du coup, il était pas content. Alors du coup, il m'a poursuivi tout le long du jeu. À chaque fois que je respawnais et tout, il me tuait parce que vu qu'il était niveau vachement fort, du coup, il me poursuivait quoi. Du coup, j'ai arrêté Dark Souls 1 pour ça. Et j'ai dû jouer, ouais, quoi, 3 heures. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, avec Dark Souls 3, j'ai... même si c'est un jeu difficile et tout, je sais que ça va me saouler, machin, j'ai ragé et tout. Mais c'est juste la direction artistique qui m'intéresse tellement, quoi, et le background. Du coup, ouais. Je me sentais un peu obligé de me le prendre, ce Dark Souls 3. Surtout qu'apparemment, bah, le gameplay est bien mieux que les premiers, quoi. Il se rapproche plus de Bloodborne, qui est beaucoup plus fluide et rapide. Que des premiers Dark Souls. Je les ai tués tous les deux là. Salut Dark Shin. Donc ouais, bah Dark Souls 1 en fait au final je vais sûrement me le refaire après celui-là puisque de toute façon quand t'achètes Dark Souls 3 sur Xbox One il t'offre Dark Souls 1 donc du coup ça tombe bien. Parce que à l'époque quand j'avais essayé Dark Souls 1 je l'avais piraté sur PC. Oh chut. Et du coup là au moins ça me permet d'avoir le jeu légalement et de me le faire quoi. A mon avis le 1 ça va être dur d'y retourner. Ayant joué avec le 3 avant. Ah mais j'ai perdu toutes mes âmes au fait. Ça
ça c'est intéressant. J'ai perdu toutes mes armes. Alors. Ah, et puis en plus j'ai plus. Putain, j'ai utilisé ma résine de pain doré là. Et au final elle m'a servi à rien parce que je me suis fait niquer à la seconde. Putain. Quoi crève. Mais tiens, il est pas monté lui. D'habitude il monte. Je vais me faire le plaisir. J'ai complètement foiré. Pirate. Ouais, bon. Et quand on n'a pas de sous et puis qu'on veut jouer à un jeu, bon, voilà. C'est normal. Je pense qu'autant qui ne le fait pas. Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Je me suis trompé de touche. Tout le monde a déjà téléchargé un jeu. N'est-ce pas? Tout le monde a des Demon Tools sur son PC. Mais putain! J'en ai marre de jouer comme une piquette. Alors lui, il va crever. Le souffle du dragon là. Pourquoi il a pas soufflé là? Ah voilà. Et pourtant il se prend la sauce hein le gros hein. Et il met du temps avant de canner hein, putain. Ah voilà. Ça va être chaud quand même là après. Ça va être chaud. Bon du coup. Ah oh, putain oui. L'autre avec son. L'espèce d'héros là. Vas-y, crame-les les autres là. Là, c'est entre lui et moi. Allez vas-y viens. Et frappe. Putain quel con. Et pourquoi j'arrive plus à faire le même coup que la dernière fois là? Mais pas ça. Voilà ça là. Ouf. Mettre un peu de santé. Putain je sais pas comment attaquer. Et apparemment il y a un truc c'est parade ou je sais pas quoi. C'est genre ça je crois. Et est-ce que ça marche si je... Voilà. Ah mais au fait ça marche super bien pour voilà. Merde par contre il m'a mis la sauce quand même. Oh putain mais... Et merde. Vas-y crash. C'est Kratos. Là c'est bizarre, j'ai un truc qui s'est rajouté. Il a fini. Ah. Ça se stresse. Un carreau standard, je m'en fous. Clairement bon. Voilà. Où sont mes âmes déjà? Elles sont où mes âmes? Ah, sont là, juste là. Eh, mais sinon, je prends le. Voilà, bah oui, c'est ce qu'on va faire. Hein. Je sais pas si ça va être tellement possible. Oh putain. Oh putain, comment il me chasse! Je crois qu'il me court encore derrière. On va le faire cramer, hein. Quoi, vite! Fais le feu là! Ou alors c'est le mec qui contrôle le dragon ou quoi? Fais le feu! Moi j'y crois pas, il l'a fait quand il est parti. Ça se trouve c'est ça. Il le contrôle ou c'est son pote, j'en sais rien. C'est comme le film Cœur de Dragon. Je sais pas. Et oh! Oh! Et quoi? Essaye les roulades, ça marche pas mal.
Ah, les roulades pour esquiver. Ouais, c'est vrai que ça marche bien. Et j'essaye de trouver d'autres techniques, parce que c'est vrai que les roulades ça marche bien, mais ça utilise tellement d'endurance, quoi. Oh putain, il va me courir dessus, là. Non, il a loupé. Oh, je crois pas. Non. Oh, je vais me faire défoncer dans le feu. Il a eu mal, lui. Est-ce que Jakimodo a eu mal? Je vais provoquer Dragon. Cramer la gueule. Oui. On va faire ça comme ça. Ah. Oh non. Non. Dans le dos, le connard. Ah non, on va faire ça, on va faire ça. J'ai trouvé l'astuce, c'est bon. On va faire comme ça. Ah mais non, mais il est trop dur, il est trop dur. Je suis un Kikimu et en même temps je sais pas jouer à Dark Souls, mais... voilà, je vais utiliser le dragon tant qu'à faire quand même. Oh putain, faut tout se retaper, ça me saoule ça par contre. Oh, oh c'est casse-couille. Hein. C'est pas grave, au moins ça entraîne. Ça va, on va faire ça en 2-2. Hop. Merde, putain, quel con. J'ai oublié qu'il vient en deuxième coup. Il est où l'autre qui... Allez là. Complètement foiré. Ah bien là un autre. C'est pas vrai, mais quelle quéquette quoi, mais c'est incroyable. Ça marche Nico, des bisous. Bon après-midi. Voilà, putain alors. Bon, allez, on va utiliser une fiole, on est content. Attends, on va aller tous les tuer. Lui est mort. Voilà. Voilà. Ah putain merde. Ah oh Kiri, comment ça va? Comment il va mon Kiri? A chaque fois je vais me le foirer celui-là. Putain mais c'est pas vrai. J'avais plus de d'endurance et du coup je pouvais plus faire de roulade. Voilà, crève. En tout cas ça va, écoute Kiri. C'est vrai que je stream plus trop parce que avec le fait que mon PC soit mort, du coup, je stream moins. Et aussi le fait que je n'ai pas trop le temps de dans ma vie, entre la copine, le travail, les problèmes, etc. et machin. C'est compliqué de... Surtout, c'est surtout mon travail en fait, qui me prend du temps sans me prendre beaucoup de temps. Alors, on redescend. Parce que le problème de mon travail, c'est que vu que je travaille en cuisine, bah du coup, bah j'ai des horaires de cuisine. Donc du coup, je travaille le midi et je travaille le soir. Et je peux pas streamer vers les 21h, 22h, comme je faisais avant, tous les soirs. Parce que bah, dès que je rentre, il est 23h et c'est un peu compliqué quoi, de streamer à 23h, la copine elle dort. Bon, je pourrais quand même streamer, hein, mais bon. De repos aujourd'hui. Ah bah comme moi, moi c'est pareil. Moi j'ai le mardi et mercredi de repos. Bon sauf que exceptionnellement ce soir je travaille. Malheureusement. J'aurais bien aimé de pas travailler. Oh putain je l'ai bien. Ah putain mais c'est quoi ce coup que j'ai fait là? Je travaille demain mais je travaille pas demain midi par contre. Ça c'est bien. Du coup demain, enfin, voilà, je travaille ce soir vite fait. Il va pas y avoir grand monde à mon avis. Au resto. Juste rigoler qu'autre chose avec mon collègue. On va rigoler. Puis voilà, on va passer une bonne soirée au boulot. Et voilà. Putain,
putain, j'ai ramené. J'ai chopé, je sais pas quoi. Un bouclier. Putain, je sais pas. Hein. Je récolte des trucs sans vraiment savoir ce quoi. Ah, si, c'est ça. Oh, c'est un truc de merde, ça. Non, mais c'est un vrai bouclier que j'ai. Bon, on va faire la même technique. N'est-ce pas, messieurs, dames? J'ai récupéré mes âmes déjà, ça c'est bien. Putain, j'en ai masse, hein, comme les âmes. Et le dragon va faire le travail à notre place. Voilà. Brave chevalier, venez. Venez avec vous, vous allez devoir combattre le dragon, mais pas moi. Combattez le dragon. Oh putain! Crash, crash! Pourquoi il crache pas? Connard de dragon. Putain! Là, je vais faire plus. Crash! Mais pourquoi il crache pas? Pourquoi il crache plus? Il est. Je crois qu'il est un peu aveugle, ce dragon, quoi. Alors, c'est vrai que depuis. C'est vrai que depuis que je bosse 6 mois dans la boîte maintenant, j'ai tellement peu de temps pour les streams, surtout que j'ai fait des longues journées. 9h, 19h ou 10h, 20h. Ah ouais? Oh putain! Là tu fais que presque des journées à... Tu fais des journées à quoi? À 10h au moins? C'est ça? Des journées à 10h? Comment ça se fait? Tu travailles dans quoi? Eh, parce qu'il me semble qu'avant tu travaillais pas... Ok, t'es au chaud. Mais remarque, c'est bien, enfin bon, c'est des grosses journées, mais au moins tu dois avoir une bonne paye. En enlevant la pause repas, ouais. Enculé, enculé! Mais putain, j'en ai marre de ce connard de chevalier. Enfoiré. Ça fait de grosses journées, mais j'ai 3 jours de repos. Cette semaine, c'est mercredi, jeudi et dimanche. Mercredi, jeudi et dimanche. Ah, par contre, c'est un peu dommage que tu n'aies pas au moins 2 jours consécutifs, quoi. Ah putain, mais j'oublie. Et la semaine B, on va dire, c'est vendredi, samedi... Et dimanche je repos. Ah ça c'est bien ça. Ah ok, donc du coup t'as une semaine sur deux où t'es vraiment un long week-end quoi. Enfin, avec des jours qui se suivent. Arrête de me faire ça quoi. Oh là 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 là. C'est une catastrophe, il faut que j'augmente mon endurance. Je peux pas rester comme ça hein. Un pantalon. Putain, mais je vais me refaire tout un équipement, moi. Oh, et je crois que mes âmes, elles sont vers le dragon. Je suis pas sûr, mais je crois qu'elle a dit ça. Oui, il va se calmer, lui. Mouk, mais ça fait longtemps aussi que j'ai pas eu
trop de nouvelles. Je crois que la dernière fois que j'ai eu des nouvelles, bah c'était cette année, hein, mais je sais pas trop où est-ce qu'il en est, mais je sais qu'il est avec sa, toujours avec sa copine, enfin normalement, il me semble qu'actuellement il doit toujours y être. Toujours avec sa copine, après je crois qu'il était en formation, je sais plus quoi, je m'en souviens plus trop. Ouais, qu'il faudrait que je reprenne des petites nouvelles, ça fait longtemps. Ah putain. Que du coup, ouais. Donc il faudrait que je reprenne des nouvelles, que je lui envoie un message pour voir comment on va. D'ailleurs, ça me fait penser que moi, de toute façon, dans tous les cas, je peux pas trop continuer le stream. Quoique, j'en sais rien. Dark Souls, c'est tellement énervant, mais en même temps c'est tellement comment dire, addictif. C'est drôle hein, parce qu'on aime bien se faire enculer. Hein, ce jeu. Pourquoi il crame pas? Moi tout à l'heure j'ai pris du feu. Moi tout à l'heure j'ai pris du feu. Ça. Bon, par contre il va se calmer lui, quand il fait ces trucs comme ça là. Il commence sérieusement à m'énerver. Vas-y, je vais faire une parade là. Allez, j'ai paré, hein, mon gars. Oh. Pas se foutre de ma gueule, hein. Ah, sinon, je vais pas être zouzou, hein. Merde. Pas du tout. Bon, tu fais quelque chose ou. Non. Je frappe alors, hein. Merde. Ah, c'était l'endurance. L'endurance me manque. Bouclier en bois. Encore ? Un bouclier de merde, voyons voir. Ah non, il est même mieux. Eh. Quoique. Oh, il est plus léger. Physique. Y'a pas un truc de comparaison ? Sinon niveau jeu t'es sur quoi à part Dark Souls? Bah récemment j'ai fait Quantum Break, que j'ai fini, que j'ai revendu que j'ai revendu pour acheter Dark Souls 3 en fait. Et à Dark Souls. Dark Souls 3. Enfin oui, donc Dark Souls 3 qui je suis en ce moment. Donc j'étais sur Quantum Break que j'ai fini. Là j'ai aussi. Ma copine m'a acheté MXGP2, le jeu de motocross là. Ben à la base elle voulait me prendre Quantum Break, mais je lui ai dit ouais, si tu m'achètes Quantum Break je vais devoir le revendre dès que je l'aurai fini, ça était quasiment sûr. Donc du coup je lui ai dit achète moi plutôt le jeu de motocross, comme ça au moins je sais que ce genre de jeu là je garde tout le temps, ces genres de jeux de toute façon. Donc et puis moi je m'achèterai Quantum Break, donc du coup je me suis pris Quantum Break. Le jeu de motocross, Quantum Break, Dark Souls 3, pour l'instant tout au final. Après si en amont des fois je joue un peu à San Andreas, je me retape GTA San Andreas sur la vieille PS2, Xbox. Je crois que je suis pas loin de quitter San Firo d'ailleurs. J'arrive vers le à Las Venturas. Et puis voilà, après j'attends beaucoup Doom. J'attends énormément Doom. Il y a Doom et... Il y avait un autre... Eh ben, je sais plus, tiens d'ailleurs. Ah oui, mon père il joue au jeu de motocross. Ah ouais, bah MXGP2 il est vraiment cool, hein. Il est dur, hein. C'est assez simu, quoi, mais il est pas mal. Même s'il a des défauts, hein. Il a des défauts ce jeu, mais il est pas mal. Et Quantum Break, bah j'ai fait un live, et puis j'ai mis la rediff sur YouTube de mon ressenti sur Quantum Break. Parce que j'avais vraiment besoin d'en parler. C'est comme une thérapie avec un psy. Alors oui, ça va pas, j'ai besoin d'en parler. Mais ouais, j'avais vraiment besoin de dire mon ressenti par rapport à ce jeu. Parce qu'en fait, j'ai été plus ou moins déçu. C'est pas parce que c'était un mauvais jeu.
Mais c'est pas non plus parce que c'était un bon jeu, quoi. Donc, parce que là je suis concentré. Ouais, c'est bah voilà. Si tu veux vraiment savoir en détail, bah regarde la vidéo que j'ai mis sur YouTube si tu veux. Mais en gros, ouais, j'ai été déçu. En gros, j'ai été déçu. Je m'attendais vraiment à autre chose. J'ai préféré à ce qu'ils ont quand ils avaient fait Alan Wake que Quantum Break. Voilà. C'est pas un mauvais jeu Quantum Break, mais ce n'est pas non plus un très bon jeu. Après, j'espère qu'on va voir ce qu'ils vont faire par la suite, s'ils vont continuer avec ce jeu, cette licence, s'ils vont la faire évoluer ou quoi, mais. Mais voilà, clairement, j'ai été déçu. A titre personnel, après, objectivement, j'arriverai pas à dire si c'est un bon jeu ou pas. Parce que j'ai trop un ressenti personnel sur ce jeu. Il m'a touché. Le mec il sort de n'importe où comme ça, le chevalier, quoi, c'est incroyable ça. Ah, il se dirige vers moi, voilà. Qu'est-ce que c'est? Oh, il me court. Il va me frapper, voilà, merci. Ah oui, merci. Ah, il a dû le toucher là. Il est mort. Il m'a semblé l'avoir vu mourir. Il a crevé. Il a marqué un truc là. Ah oui, c'est là, je le sens. Mais on va dire. En fait, ce qui m'a vraiment. Quand on voit que vraiment le fait. Enfin, la chose qui m'a vraiment fait chier. Là, c'était la technique du jeu. Parce que le jeu se vaut vraiment réaliste. Sur la motion capture et tout. Et il y a des problèmes techniques. Tu te dis, mais putain, c'est pas possible de faire des problèmes techniques comme ça en 2016. Surtout au niveau de l'aliasing. Bon, c'est pas non plus comme si qu'il y en avait partout, mais c'est sur les ombres, ça se voit tellement. Parce que c'est beaucoup d'environnement extérieur quand même. L'aliasing sur les ombres se voit tellement. Le clipping c'est pareil, il y en a, mais bon après c'est pareil, le clipping on peut pas trop vraiment juger parce que le clipping il y en a pas partout. Vu que les environnements c'est beaucoup d'intérieur aussi, ça va encore. Mais ouais, il y a des problèmes techniques et des fois tu te dis putain mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi. En 2016 c'est pas possible. Âme de corps abandonnée. La potion. Impossible d'ouvrir de ce côté encore. Putain, c'est la deuxième porte comme ça. On n'a pas de lampe torche. Lampe torche. Putain, mais il y a un mec là. Alors, et là, il y a un truc. On peut grimper là. On peut descendre. Je ne sais que quoi faire. Oula. Ah, une bombe incendiaire. Ça, c'est bien. Je suis Quentin. Ça sent le guet-apens un peu en dessous là. Ah, y a un ennemi là. Un autre ennemi là-bas que je vois assis. Je sais pas ce que c'est. Visiblement, on peut aller un peu.
On peut redescendre encore. Bon, on va d'abord aller ici, tiens. Ah bah parfait. Allumer le feu. Enfin, feu allumé. C'est autre chose, allumer le feu. C'est jauni. Ah, on peut accepter. On peut admirer le dragon. On peut accepter. Mais on peut l'accepter aussi. Hein. Bah, du coup, en fait, il a l'air d'être un peu con. Hein. Il protège qu'un côté du truc. Donc, du coup, ouais, nous on était là-bas. C'est marrant. On voit vraiment le terrain. Ah ouais. J'aime beaucoup ce jeu. C'est un jeu qui est détestable, mais c'est un jeu qui est vraiment titanite encore. Qui est détestable, mais qui est aussi très appréciable, voilà. C'est marrant, hein. C'est pas tous les jeux qui sont comme ça. Ah mais en fait du coup ça ne sert à rien ici, c'est juste... Ah ok, c'était juste un endroit pour foutre le feu. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Il se bat contre qui lui? Oui, il y avait quelque chose là. Peut-être des ennemis qui ont popé, je sais pas. Bon du coup, sûr et certain, il faut aller en bas. Parce que après, je vois pas où est-ce qu'on pourrait aller. Hein. Toutes les portes sont fermées, l'autre côté de là. Oh la vache, oh, comme il m'enchaîne lui. Mais dis donc, je te permets pas. Putain, on y voit vraiment pas bien. On peut pas la prendre cette lampe torche. J'aime beaucoup détruire les objets. En même temps, c'est tellement rare de pouvoir faire ça. Par contre, j'hésite. J'hésite vraiment à retourner dans le sanctuaire avec toutes mes âmes. Hein, parce que là, quand même, j'en ai beaucoup. Ça me ferait chier de toutes les perdre. On peut continuer ici. Où est-ce qu'on est là? Il y a encore un dragon là? Âme de corps abandonnée encore. Oh! J'attendais pas à ça. Tu m'as surpris. Allez, vas-y, viens, c'est bon, je suis prêt. C'est cimetière des dragons en fait, c'était quoi? Et puis il prie encore. À moins que. Ah, ça me fait peur! J'avais pas vu lui, je sais pas où il sort. Ah, y'a un autre mec là et tout. Oh là 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 là, mais c'est hyper grand. Hein. Mais on est où au fait? Ah voilà, le grand dragon est là. Le dragon qui était mort était. Mais je le vois plus, tiens. Il était par là en tout cas. Ah, il est là, on voit son aile. Il était là. Et là, y'a un autre dragon encore. Putain, c'est ouf. C'est le cimetière des dragons. C'est marrant. Alors désolé, mais ça me fait des âmes. Et là du coup, ouais, on va, je pense, parce que là en plus j'ai plus de fiole d'estus, machin. On va retourner au sanctuaire. Et puis là en plus il y a un passage aussi pour vers le bas. Alors est-ce que j'y vais avant ou pas? Non. De toute façon, dans tous les cas, les ennemis vont repop, alors ça sert à rien. Ça me plaît beaucoup ça. Ça me plaît beaucoup. Ah, je comprends vraiment pourquoi qu'il y a des fans de Dark Souls.
Et pour le coup, la PS4 me tenterait bien avec le Bloodborne, quoi. Pourtant, Bloodborne, enfin, je me suis dit, ouais, ça sera pas un jeu qui me fera acheter la PS4, mais au final, je pense que si. On va se reposer, voilà, près du feu, voyager. Alors, j'espère que ça va pas. Ah non, ça devrait être bon. Hein. Voilà, on voyage vers le sanctuaire. Ben là, il est presque 4h. Je pense qu'à 4h30, je vais arrêter, je pense. J'aimerais bien continuer. En plus, normalement, ma copine m'avait dit, ouais, tu joues pas au jeu sans moi et tout, je veux voir le jeu et tout. Mais bon, le problème, c'est qu'on est tellement décalé au niveau des horaires de boulot tous les deux. On n'est pas du tout pareil. Pareil au niveau des jours de repos, sauf 2 jours. C'est pas évident. Elle est où, là? Ah, mais elle est là. Tiens, elle s'est assise, maintenant. Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire. Ah bah, tu peux me... voilà. Then touch the darkness within me. Me faire level up. Take nourishment from these sovereignless souls. Oui. L'endurance, il m'en faut absolument. Ah, il me faut vraiment de l'endurance, quoi. Je vais même mettre 2 points, quoi. 2 points à l'endurance. Peut-être un point en moins à la force. Ah, et puis après, je peux pas. Alors, vitalité aussi sera peut-être intéressant. Hein. Ouais, vitalité et endurance. Et la prochaine fois, je ferai force et peut-être dextérité, je sais pas. Ah mais c'est vrai que... Ah oui, mais j'avais oublié un truc. Ouais. Ça a augmenté là? Ah peut-être. J'arrive pas à bien voir la différence. C'est possible. C'est quoi le prochain jeu qui te fait envie? Bah y'a Doom. Ah Doom. Putain, j'ai fait une espèce d'accent à la Marc Olivier. Y'a Doom. Et il y a un autre jeu, mais j'arrive pas à me souvenir c'est quoi, putain. Qu'est-ce qui est prévu qui va sortir? Putain, il y a Doom. Doom et... Écoute, j'arrive pas à savoir c'était quoi l'autre. Putain, je sais plus. Je ne sais plus. Doom, c'est sûr, de toute façon, Doom, c'est, voilà, c'est le jeu que j'attends le plus cette année, je pense. Enfin, je te dis ça, mais alors que je m'en souviens même plus de ce qui est prévu et qui va sortir, hein, donc... On va juste vendre des objets. Ah oui, la braise. Oh, non. Non, c'est les trucs que j'ai ramassés. Ouais, tiens, voilà ça là. Ça, je vais te les vendre, ça, j'en veux même pas. Pour 3 âmes. Ouais, je m'en fous. De toute façon, c'est nul à chier. L'arc, c'est pareil, je te le vends. Cloche sacrée de Claire. Ouais, mais ça doit être que pour là. C'est que pour les... ceux qui font de la magie et tout. Donc ça, je vends. Les boucliers, oui. Alors ça, bah, voilà, je vends ça. Je vais vendre celui-là aussi. Le mien, il me va très bien. Le casque, c'est pareil. Hop. Ça, est-ce que c'était... Oui, c'est moins bien, carrément. Par contre, au niveau des annonces à l'E3, j'attends l'annonce de Red Dead 2. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a l'E3 qui va arriver. Putain, c'est vrai que j'ai complètement zappé. C'est vrai que l'E3...
Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont annoncer. Oh, les carreaux, tout ça, ça. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont annoncer. À l'E3, ce qui est vraiment officiel. Ouais, Red Dead, ouais, apparemment il y a des grosses rumeurs en ce moment sur Red Dead Redemption 2. Ça, ça serait vraiment cool. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Putain, c'est un truc de ouf, comment j'ai une mémoire de merde. Il y avait Red Dead, que ça. Il y avait un autre jeu aussi. Il y avait même d'autres jeux. Ah oui, Crackdown 3. C'est l'exclusivité Microsoft que j'attends de savoir. Il y a aussi Last Guardian. Je sais pas s'ils vont vraiment mettre une date fixe sur ce putain de jeu que j'attends. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, après, ouais, je sais pas. Je pense que ça, le 3 va être une surprise, je pense. Alors. Putain, j'ai pas de gemmes. Alors, est-ce qu'on peut en acheter, tiens, des gemmes? Ah si, il y a un jeu. Pourtant, c'est le genre de truc que j'en ai un peu rien à foutre, hein, franchement. Il y a Battlefield, je sais plus combien, 5 ou 6 ou 7, je sais plus du tout. Mais c'est le nouveau Battlefield qu'ils ont prévu de sortir. Soi-disant qu'il y a des rumeurs qui reviendraient sur la Seconde Guerre mondiale. Et franchement, s'ils font ça, là, ça va vraiment m'intéresser. Parce que putain, ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu un... Enfin, voilà, maintenant, c'est que des jeux de guerre. Maintenant, c'est que l'âge de guerre dans ce moment, où c'est guerre du futur et tout. Je trouve ça inintéressant, personnellement. Et j'attends vraiment le... Bah ouais... Bah sur la Seconde Guerre mondiale, quoi. Je trouve que ça manque. Alors que pourtant à l'époque on en avait bouffé avec Medal of Honor, Call of Duty au tout début. Brother in Arms, il y avait aussi. Os du retour. Ça c'est les outils, mais avant pas de gemmes. Hein. Bombe incendiaire. Touffe d'hélic. Tombait. Bizarre ça. Oh la vache, la clé de la tour. Combien? 20 000. Aiguillon quoi? Lance un aiguillon d'âme. Ah, peut-être qu'il y a des armes un peu meilleures que la mienne, tu vois. Et je vois pas bien. Une torche. Ah, mais tiens, si! On peut acheter des torches. C'est quoi ça? Un talisman. Armure. Je pense que c'est un peu de la merde. Les anneaux. Non, avant pas de gemmes, mais par contre au niveau des armes, changer. Est-ce qu'elle est meilleure celle-là du coup? Comment on peut voir ça? Épée courte. Un cimetière. Changer de catégorie. Voir info. Ah, ça me fait chier ça. Mais je peux pas aller dans mon inventaire. Ah, quand même. Alors c'est quoi moi, mon épée là?
Ah non, elle est quand même plus forte. On garde, je garde mon épée. Je garde mon épée. Voilà. Réparer l'équipement. Oh, j'ai rien à réparer visiblement. Renforcer l'arme. Du coup, je vais la renforcer. Hein. Est-ce que je peux renforcer... Ok, je peux renforcer que le bouclier et l'épée. Pour créer une épée longue plus 1. Bah écoute. Voilà. Ah, et puis il fallait des fragments de titanite. Ouais, d'accord. Là, je peux pas parce que voilà, j'ai plus de fragments de titanite. Au moins, j'ai amélioré déjà mon épée. Visiblement. Attends, je vais vérifier. Pas évident. Ah, si, si, si. Ça a bien augmenté. Ouh, je me retâte à me taper le mec avec son katana de merde, mais bon. Vieillard droit devant. Oui, mais c'est le vieux qui est assis là. Joie, rien de plus. Ah, encore cet endroit en vue. Pour feu, aura. Et ça, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça se met à jour souvent. Alors peut-être que si ça se met à jour, on pourra me dire comment accéder à ce putain de... Là, là, en haut, là. Ce serait bien qu'on me dise le chemin. Ah, visiblement, c'est là. D'ailleurs, ça fait un chargement, tu vois. Il y a un mec qui est mort ici. Comment on peut mourir ici, quoi? Il frappe qui, là? Découverte incroyable, droit devant. C'est ça quoi, mais... Je sais pas. Tiens, je vais essayer de me tarper. De me retaper le... Le mec avec son katana là. Je réessaye une fois, hein. Après sinon tant pis, hein. Je repars dans la suite de ma quête. Bénédiction en vue. Oh la vache! Oh la vache! Ah non, il fait mal. Hein. Oh, j'ai paré quoi. Oh, j'ai encore paré! Super chose. Moi, je suis persuadé qu'il faut accéder en haut comme j'ai ce que j'ai vu tout à l'heure là, et puis faire une espèce d'attaque plongeante là, en lui plantant l'épée dessus. Bon, on va récupérer nos âmes. On va récupérer nos âmes et puis on va repartir. Mais elle change tout le temps d'endroit celle-là là. Allez.
C'est un peu pénible ça quand même. Bon, c'est pas non plus tout le temps, mais c'est, je sais pas, ça casse un peu le truc. Voilà. Mais du coup, je me tâte à replacer mes âmes là dans un autre niveau, quoi. Mais bon, c'est ça qu'on m'avait expliqué, c'est que du coup, les âmes, c'est aussi l'argent, quoi. Et on n'a pas une banque, genre. On peut pas vous stocker ces trucs. Toi, là, tu peux pas nous les stocker, genre. Ashen One, bring me souls plucked from their vessels. Farewell, Ashen, may the flames. On dirait qu'elle est amoureuse de nous. C'est marrant. Pourquoi je dois faire ça? Oh. Allons-y. Allez. Voyager! Ah bah voilà. Impeccable. Chargement, il manque un petit quelque chose, je trouve. Ils auraient dû faire un petit chargement à la Skyrim. Avec genre une espèce de truc à regarder. Avec une petite musique derrière. Allô? Grand mur de l'Autrique. Bon. Suette. Il est encore là le dragon, hein. Oh oui, il bouge pas. Oui, le temps de chargement est assez long. Mais après, tu vois, le temps de chargement est long pour accéder à cette zone-là, mais au final, dans toute cette zone, il n'y a aucun temps de chargement, tu vois. C'est genre, bah, on vient de là-bas. Attends, je peux pas te montrer là. Ah merde, je peux pas aller. Ah, oh. Attends. Attends. Oui, oh. Sors les jumelles, voilà. On vient de tout là-bas. Là où, voilà. Là où il y a l'espèce de drapeau qui avec les espèces de cadavres un peu accrochés. Ben, on vient de là. Tout le chemin qu'on a fait pour venir jusqu'ici, il n'y a aucun temps de chargement. Et tout le reste, hein, bien sûr, après... là, tout, je pense que jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de cette zone, il n'y aura aucun temps de chargement. Donc bon, certes, le temps de chargement est un peu pénible pour accéder à la zone, mais bon, après, ça va. Je trouve que c'est pardonnable, sachant que ce n'est pas tous les 15 pas où tu dois t'as des temps de chargement comme ça, quoi. Mais c'est vrai qu'il est long. Bon alors, il est où l'autre? Il y en avait un là qui était là. Putain! Il y en avait un. Oula. Ah si si, mon endurance elle a été augmentée, ça se voit. Là je le ressens. Hein. Oh putain! Parce que là j'ai pu faire beaucoup plus d'esquive et d'attaque sans être essoufflé. Ah oui du coup... Ah oui du coup on savait pas trop où aller. On va descendre du coup. Je pense qu'on va descendre. Putain alors ça... Ces ennemis là... C'est bon, je l'ai vu.
je l'ai eu. Là-dedans, c'est incroyable ça. En fait, c'est mieux de péter les trucs en faisant les roulades. Le mec est tellement lourd quoi, avec son armure, qu'il pète tout avec une roulade. Quoi qu'il vienne à la maison. Hein. Bon, c'est marrant parce que avec tout ce qu'on pète et tout, avec les petites particules et. Et tout le bazar, le jeu ne rame pas. Le jeu non plus n'est pas extrêmement fluide. Hein, et il doit tourner vraiment à 30 fps. Plus ou moins constant, je pense. Mais 60 fps, c'est sûr que non. Hein. Ça se voit. Hein. Bon, alors du coup, ici, on est où là? On dirait une espèce de. Un marchand. Oh putain, c'est un mec qui balance des trucs comme ça là. Couteau de lancer. Ah, il y a des couteaux de lancer dans ce jeu. Oula, là, il y a un secret ou quoi là? Il y a une fenêtre. Ah non, c'était juste une fenêtre. Je croyais que c'était un passage, mais non. Rien du tout. Je crois que je vais arrêter de péter tout ce que je trouve parce que y a rien du tout dedans. Merde. Putain, mais ça continue. Hein. Une personnaille. Qu'est-ce que c'est que ça, une personnalité? J'entends respirer. Et qu'il y a un monstre juste à côté là. Oui, du coup, c'est quoi que j'ai ramené là? Que j'ai ramassé? Oui, non mais donc, clairement mon épée est bien mieux. Ah oui, d'accord. Oh là là, mais c'est tellement grand. Oh. Je sais même pas où je suis là. Et d'un coup on dirait qu'il fait super noir. En même temps, ah ok d'accord, on est là maintenant. C'est un peu le repère hein, le dragon. Hein. Des ennemis là. Il y en a un, il est en train de s'agripper. Ah ouais, oui, Dark Souls, c'est grave de l'exploration. Et comment ça s'appelle? Une direction artistique de ouf. Hein. C'est clairement ça. Hein. Ouais, pourtant, c'est le seul truc qui m'a attiré dans ce jeu. Hein. Moi, franchement, clairement. Hein. Et j'ai longuement hésité avant de prendre Dark Souls 3. Hein. Parce que je me suis dit, putain, je sais que c'est un jeu qui est super dur. Tu vas faire que de crever. Et machin, enfin bref, c'est super compliqué comme jeu. C'est pas un jeu qui est accessible à tout le monde, on va dire. Et je me suis dit, putain, mais je vais rager devant ce jeu, ça va être horrible, quoi. Je vais foutre de l'argent là-dedans, et si je suis pas persévérant, c'est mort, quoi. Mais voilà, il y avait tellement une direction artistique de ouf dans ce jeu. Et puis ouais, de l'exploration comme ça, enfin, des fois, du coup, tu te retrouves avec l'effet waouh, quoi. Et du coup, ça m'a fait racheter le jeu, quoi. Mais ouais, il faut vraiment être persévérant pour apprécier le jeu à sa juste valeur, je pense. Hein. Faut vraiment persévérer. Alors là, il y a une porte avec un mec dedans, mais c'est verrouillé. Une prison, sûrement qu'un PNJ qui peut nous aider à mon avis. Et visiblement là on a rien, on peut pas y accéder. Du coup là... Oh
Oh le Zoulou quoi. Il donne des coups de pied. Ouais donc ici je pense qu'il faudra y retourner plus tard. Bon bah on va remonter. Bon, au moins on aura tout fait. Au moins que... Si la porte là-bas j'y suis allé, pareil c'était fermé aussi. Bon bah je crois qu'on n'a pas le choix, on va devoir aller accéder par le toit. Putain il est déjà 16h30, mais ça passe tellement vite quand tu joues à ce jeu. Mais pourquoi vous venez foutre la merde là, vous là? Bande de chenapans. Oh putain! Un pantalon! J'ai ramassé un falzar. Voyons voir ce falzar. Je pense pas qu'il soit mieux, non, il est moins bien en plus. Bon bah désolé. Ça me fait des âmes, je suis désolé. Qu'est-ce qui me marque sur le message? Attention, monstruosité. Mais oui. Parce qu'il y a le dragon qui est là. J'espère que lui il va pas se réveiller. Je pense qu'il est mort. Tireur d'élite. Il doit y avoir un archer quelque part. Okay. C'était toi, j'en étais sûr. Il allait se transformer. Il disait, c'est bizarre. Heureusement que je l'ai eu parce que sinon il aurait se transformé en espèce de démon là. Une bombe à s'en dire encore, on doit avoir plein là. Ah ouais, 8 quand même. Eh, mais ça je pourrais l'utiliser contre l'autre. Pouah là là, mais ce château quoi, mais. Tu te sens tellement petit. Si, si, exactement. Si, si, c'est vrai. Ça me fait penser à. Mais je crois que Resident Evil 4 aussi, mais Resident Evil 4 je l'ai pas fait donc je peux pas vraiment dire si c'est exactement comme ça. Mais moi ça me fait penser à Resident Evil 5 un peu. Insecte droit devant. Ah, il y a des insectes aussi dans ce jeu. Ah oui là. Qu'est-ce que ce truc? C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une gemme brute. Oh putain! Oh putain! Oh, qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière là en dessous là? Oh con! C'est quoi ce monstre? Enfin, ce monstre, ce personnage assez fort physiquement. Mais attends. C'est quoi ce truc là? Ça bouge? Ça m'a donné un gemme brute. On fait voir là. Oh, oh con, mais le truc il est immense. Putain, ça me fait trop penser à un ennemi de Berserk, ça. Le tout premier que l'on voit. Enfin, dans la série animée. Pas dans le livre, mais dans la série animée. C'est le tout premier monstre, enfin monstre. Ennemi plus ou moins balèze que Guts affronte. Insecte droit devant, oui, donc du coup je l'ai vu. Ah, mais on est obligé de passer par là. Ouais mais là j'hésite vraiment là. Là j'hésite vraiment parce que... Putain. Parce que là il m'a donné une... C'est quand même une gemme brute quoi. Et ça apparemment ça... Ça peut me restaurer... Peut me restaurer. Bien m'améliorer mon épée hein. Y avait pas un ennemi ici? Ah, il était là. Oh!
putain, c'est une embuscade. Encore une bombe incendiaire. Ouais, il faut que je boive absolument là parce que là. Oh là là, il y a tellement de passages où aller là. Il y a même une échelle pour aller en bas. Et quoi en bas là? Un espèce de mec. Putain, c'est chaud. Hein. T'as envie de sauvegarder tout le temps dans ce jeu. Hein. Oh non, pas lui. Putain, c'est bon, c'est mort. Ouais, non, non, c'est bon. Ouais, okay, j'ai compris. Non. Je vais pas tenter le diable. Tant pis, il faudra que je recommence avec tous les ennemis qui vont respawn, mais... On va revenir au sanctuaire. On va revenir au sanctuaire, on va utiliser nos âmes qui nous restent, ou... peut-être les garder pour améliorer notre épée, j'en sais rien, et puis utiliser la gemme brute. En plus, la gemme brute, c'est pas de la merde, hein, apparemment. Ce qu'on m'avait dit la première fois que j'ai commencé le jeu, la gemme brute, c'est pas de la merde au début. Il faut surtout pas oublier de l'utiliser. Hop, voyager. Sanctuaire de Ligue du Feu. Un petit temps de chargement. Ah, le téléphone, je suis désolé, c'est la copine. Be careful. I don't want to see my work squandered. Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire. Very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment.
Ashen One, be sure to bring more souls. La copine au téléphone, voilà. C'est fini. C'est fini. Allez hop, on continue. Mais j'ai envie d'arrêter, mais j'ai envie de continuer. Mais voilà, je suis un peu perdu. Mur illusoire en vue. Pour illusion aura. Qu'est-ce que c'est ? Le mur illusoire. Apparemment, ça fait partie des Dark Souls, ça, que... des murs invisibles ou je sais pas quoi. Pour illusion ou à... J'appuie, hein. Est-ce qu'il faut faire une attaque spéciale? Non. Peut-être ici. Non. Ils ont fumé. Peut-être là, hein. Non pas, non pas, non pas, non pas. Bon. En tout cas. En tout cas, voilà. Oui, comme je le disais, en plus ma copine, hein, elle voulait que je joue à Dark Souls 3 sans elle. De toute façon, elle va regarder la rediffusion parce que.
pour qu'elle puisse suivre le jeu. Donc elle verra très bien que je pouvais pas lui répondre à ce moment-là. Ah voilà, ça y est, ça recommence. Oui. Ok. Oh bah tiens, en parlant du loup. Alors attends, je peux même pas mettre sur pause. Oh merde. Ah mais je peux pas mettre sur pause, je peux pas. Non, je peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas répondre. Mais putain, elle le fait exprès, voilà, cause elle, je vais mourir. Oh, je suis mort. De toute façon, elle va regarder la rediffusion parce que pour qu'elle puisse suivre le jeu. Donc elle verra très bien que je pouvais pas lui répondre à ce moment-là. Ah voilà, ça y est, ça recommence. Oui.